Le 1er juillet 2018, un hélicoptère s'élance de l'aérodrome de Logne. Le pilote vient d'être pris en otage et se dirige vers la prison de Réau. À 11h18, l'appareil franchit les murs d'enceinte en direction de la cour d'honneur. David est un surveillant chevronné. Il est alors en poste à la porte principale. Je vois un hélicoptère arriver et se poser sur la cour d'honneur. Trois membres de commando, deux qui sont descendus de l'hélicoptère et un qui tenait en respect le pilote avec une arme. Un membre de commando avait une grosse disqueuse sur lui, une disqueuse de chantier. Donc il commence à scier la porte d'intervention et les deux membres du commando rentrent au niveau du parloir et là je vois plus rien. Je me suis dit que c'est l'évasion de Rudolf Faïd. Il avait toujours dit durant toute sa détention qu'il allait s'évader. À l'intérieur, séjour de parloir. Redouane Faïd a rendez-vous avec son frère. Le commando progresse dans sa direction. On les entendait couper les grilles. Jusqu'au moment où on n'a plus rien entendu. En fait, c'était un silence de mort. Les deux hommes du commando viennent de récupérer Redouane Faïd. Ils n'ont plus que quelques couloirs à franchir.